Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? Ça va? Tranquille la forme? Bon, vous savez qu'on a un Discord pour la communauté, d'ailleurs si vous voulez le rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et dans ce Discord, on a un petit salon qui s'appelle Fichier Image. C'est là où vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Alors attention, dans la limite du respect bien entendu, vous pouvez mettre des images drôles, des belles photographies. Si vous êtes photographe par exemple, vous voulez partager quelque chose en particulier. Et aujourd'hui on va se concentrer sur les images drôles que vous nous avez envoyées. Alors je sais, il était une fois, il y a presque un an, au mois d'août 2018, je vous avais dit envoyez-moi les images les plus drôles dans ce salon et j'en ferai une vidéo la semaine prochaine. Et ben on se retrouve la semaine prochaine un an plus tard. Salut tout le monde, comment allez-vous? Ouais ça va, on est pas en retard. Les gars les filles, je compte sur vous, vous me faites péter la barre de like, vous m'en mettez minimum 4000, je sais que vous en êtes capable, vous en avez déjà mis beaucoup plus sur plein de vidéos. Et bien entendu, n'oubliez pas d'aller checker le petit lien G2A pour aller faire les promotions sur les jeux vidéo. Oui, bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai scrollé jusqu'au mois d'août 2018, là où j'avais fait l'annonce. Alors ça a pris un petit peu de temps, celle-ci elle est gratuite, je l'avais déjà vue, mais elle me fait marrer. J'adore. Mais comment je vais faire? Il y a que 3 pédales et j'ai que 2 pieds. Ce gros cliché sur les blondes, surtout ne vous sentez pas visé, vous êtes très intelligente. Des fois t'as des brunes, des rousses, ce que tu veux, c'est pas mieux. Hitler est mort en 1945, Trump est né en 1945. Une coïncidence? Je ne pense pas. Un mystère? Peut-être. Un hasard? Je m'y prépare. Un hôtel? Trivago, forcément. Quand ton patron veut une preuve de ton hospitalisation. Ce truand quoi. Quand tu détestes les enfants. Non mais c'est pas possible, attendez. Non c'est forcément un photomontage, je veux dire personne a quand même osé faire ça quoi. C'est dégueulasse, mais c'est marrant. D'ailleurs vous aussi n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est toujours dans la description et puis vous pouvez également venir mettre vos images les plus drôles dans le salon Fichier Images et on fera très certainement un épisode 2. Teletubbies, le seul dessin animé qui devient un film d'horreur en mettant les images en noir et blanc. Alors là c'est clair, j'avoue que ça donne une image mais vachement creepy, c'est un truc de ouf. Quoi. Faudrait tester avec une vidéo des Teletubbies et la mettre un peu en mode creepy avec une autre musique et voir ce que ça donne. Eh hey, mais pourquoi tu portes 2 seins sur ton dos? Curieuse question pour quelqu'un qui porte un zizi sur la gueule. J'aime bien. Ça y est, tous les Portugais en rêvaient, ils l'ont fait. Le Ulucupter Tractupel. C'est quoi encore cette connerie? Il est connu l'autre qui est au-dessus de Kim Jong-Shuang là. C'est un streamer qui joue à Fortnite ou je sais plus quel jeu mais... Un adolescent retrouvé sain et sauf après avoir traversé pendant 10 minutes une zone sans réseau. C'est terrible quoi. Et bah tiens, un petit sondage dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous êtes du genre à ne pas survivre sans réseau? Ou alors vous pouvez très bien vous en passer pendant des jours. Pourquoi on met une pizza ronde dans une boîte à carré pour la manger en triangle? Voilà une question relative à la vie. Les seules bêtises qu'on faisait avant d'avoir les jeux vidéo, c'était de sonner aux portes et ensuite courir. Oh, bordel, mais qu'est-ce que je l'ai fait ça en fait? C'est tellement nul, franchement, ça sert à rien d'aller faire chier les gens comme ça, quoi. Je m'en souviens une fois, on avait tellement fait serrer une personne avec un pote. Il y avait sa porte, en fait, et juste à côté de sa porte, il y avait un petit muret qui menait derrière avec un petit chemin avec des hautes herbes. Et on n'arrêtait pas de sonner chez lui, et à chaque fois, on allait se cacher dans le chemin. On l'entendait ouvrir la porte, et refermer, on retournait chez lui. Mais on l'a fait je sais pas combien de fois, quoi. Jusqu'à ce que le mec, quand même, il se mette devant la porte, et puis il attende, tu vois. C'est des conneries de gamin, quoi. Merci, mec. De rien, gros. Une soupe, merci mec. D'accord, je connaissais pas celle-ci. Ok les mecs, on enfonce la porte et on neutralise les individus. Wesh Pampan, tu joues à quoi là? Alors déjà, moi c'est Sergent Pampan. Terrible. Ma professeure est sortie de la salle pendant un contrôle en nous précisant que tous ceux qui tricheraient auraient un zéro. On a commencé à se donner les réponses, puis au bout de quelques minutes, j'ai levé la tête. La légende dit qu'il crie encore. Ah ouais, effectivement mon gars. Par contre, je pense que c'est un photomontage. Le mec est vrai, je pense, mais le chien est incrusté. Indestructible Nokia 3310, The Chuck Norris of Mobile Phone. Ah non, mais ça c'est clair. J'avais moi-même un Nokia 3310, je peux vous dire que mes... C'est les téléphones les plus costauds qui ont jamais existé, mon gars. Celui-là, tu pouvais le laisser tomber, mais là, tu le reprenais, il marche direct. Aujourd'hui, va faire tomber ton iPhone X comme ça par terre sur le trottoir. Il est rincé, mon gars. Il est foutu, il est mort. Aux 3 pigeons. Avec les flics et tout, ouais, sympa. Donne-moi le code de ton phone et je te sauve, mon chéri. Voilà, laisse-moi tomber, c'est mieux. On ne peut même plus pêcher en paix, les flics sont partout. Ah ouais, chaud, mon gars. Quand ta mère te demande de l'aider à porter les courses jusqu'à la maison et que tu veux tout porter d'un coup. Ça, pareil, c'est un montage. Alors c'est vrai que je vais rien dire par rapport à ce sujet parce que moi je suis pareil. Je veux dire, pourtant c'est à côté, hein, tu vois, mais au lieu de faire des allers-retours de la voiture jusqu'à la maison en ramenant les sacs un par un,
Non, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre full stock, mon pote, tu vois. Quitte à en mettre sur la tête, à accrocher des mousquetons sur le jean et tout, mais je vais vouloir tout ramener d'un coup, mon gars. Les packs dans les bras, les sacs attachés sur les cuisses, la totale, mon gars. J'espère que ça va te faire plaisir depuis le temps que tu m'en demandes une. Ça part, ouais. Grand Prix moto du Portugal 2016. Terrible. Les gros clichés sur les Portugais, toujours. Dès qu'il y a de la maçonnerie ou quelque chose, on incrimine toujours les Portugais, je veux dire. Je sais pas c'est quoi ces clichés, mais... Quand t'es censé prendre ta douche, mais que tu traînes à faire des conneries. Avec la photo du chat et tout. Énorme. Ce soir, je vais utiliser Internet que pour mes révisions. 5 minutes après, quel Power Ranger êtes-vous? Faites le test. J'adore. Ça m'en fait chialer, bordel. Une fille demande un vœu au génie. Je veux une licorne. Le génie répond, non mais MDR, un truc possible. Ok, je vais être belle alors. Le génie dit, quelle couleur ta licorne? Pas sympa. Quand on me dit à table, mais que c'est pas prêt. Ces photos à la con, moi ça me fait rire quoi. C'est quoi, c'est un lamentin ça en plus? Enfin, quelqu'un avec un costume de lamentin, quoi. Et Captain America mangea les Avengers. C'est dégueulasse, franchement. Comment je mange des spaghettis en public et VS comment je mange des spaghettis seul chez moi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Fallu, moi, fais fan. J'ai déjà vu cette photo inférieure. Le pauvre chien, quoi. Il fait le tour d'Internet. Oh, terrible, les petites bannières qu'on m'a faites et tout. GG, Antoine. Oui, quand vous passez dans ce salon, vous pouvez très bien laisser, par exemple, des bannières, comme l'a fait Antoine. Je vois aussi, il y a des gens qui m'ont dessiné et tout. C'est super sympa, franchement, je regarde tout, quoi. J'étais pas bourré hier. Mec, t'es rentré dans une armoire et t'as dit, j'en ai marre de ce monde, je vais à Narnia. Ouais, c'est pas mal. Bon, faut avoir la référence. Je sais pas si vous avez déjà vu le monde de Narnia. What the fuck? Terrible. L'autre avec l'armure côte de maille et tout. Franchement, ouais. J'étais votre pilote. Moi, je suis en avion. Et je vois ça par le hublot, mon gars. Bah, c'est chaud, quoi, franchement. J'adore avec le sourire et tout. J'étais votre pilote. Bonjour, il n'y avait que 9 nuggets dans ma boîte de 10. Scandaleux. Nous serons ravis de régler cet incident en message privé. Supprime, fils de pute. Ce montage, quoi. Enfin, ça se trouve, c'est vrai, j'en sais rien. Pendant ce temps, chez Waf le loup. Papa, pourquoi tu travailles? Tu fais le ménage, tu fais tout pendant que maman ne fait rien? Elle m'a promis que si je faisais tout ça, je pouvais choisir ton nom. Et ça en a valu la peine? Oh oui, Sangoku. Bonjour maman, c'est pour te dire que ici il fait vraiment froid, il pleut mais il pleut blanc. Je comprends pas maman. Regardez, il y a que la pluie mais il pleut blanc. N'importe quoi. Il y en a qui ont carrément envoyé des vidéos quoi. Papa regarde, j'ai fait un dessin. Waouh, c'est quoi? Un octogone sans règles. Terrible. Référence, Caris Booba. Tu pourrais me dire un 6, 3, 2, 3, 5, 8 fois que ceci est un oiseau? Je vais quand même continuer à croire que c'est un lapin en ski qui est en plein milieu d'un saut en longueur. Ah ouais, putain. Terrible. Mais jusqu'à ce que j'ai lu la phrase d'en dessous, pour moi, ouais, c'était un oiseau, tu vois. Mais en fait, ouais, c'est, on dirait un lapin qui fait un saut en ski en longueur. Elle est terrible. Franchement, j'avais pas vu de l'illusion. Mais maintenant qu'il vient de me le dire, bah je vois juste un lapin qui fait un saut en ski en fait. Je vois plus un oiseau. Mon frère a tourné la tête pendant un shoot panoramique. C'est vrai que des fois, les shoots panoramiques, tu vois, avec les téléphones portables, ça peut faire des effets chelous. Bah, comme là par exemple. De cette carte précise, voir ci-dessous, ressort un constat qui va faire mal dans le sud-ouest. La victoire écrasante de pain au chocolat sur chocolatine. Alors effectivement, moi-même ça m'a choqué depuis que j'habite en Charente-Maritime, mais la dernière fois, j'ai été dans une boulangerie,
Et sur les pains au chocolat, bah, il y a des étiquettes avec marqué chocolatine. En fait, voilà, je suis passé du côté obscur. Je suis atterri dans le pays de la chocolatine. Ah, puis vaut mieux pas demander un pain au chocolat ici, mon gars. Ah, bah, tu te fais engueuler, hein. Pourquoi tu passes par là? Parce que c'est notre trajet. Excellent, quoi, terrible. Quand tu croises Harry et Hagrid qui rentrent de Poudlard. Tu es un saucier, Harry. Ça me fait rire, moi, ces conneries, là. Tu es associé, Harry. Écoutez, on pourrait scroller encore beaucoup comme ça. Franchement, je vous ai même pas tout montré, parce que sinon, ça dure beaucoup trop longtemps. Mais en tout cas, si vous êtes chaud pour qu'on fasse un épisode 2 avec vos images, eh ben, vous venez sur le Discord. Déjà, vous faites péter les likes sous la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et puis, vous m'envoyez, vous aussi, vos images drôles, vos mèmes. Ça pourrait être super sympa. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également vous abonner à ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao tout le monde, bye !